moi, tout ce qui est justement ballerine. Ouais, ballerine, ça je pense que je pourrais jamais. Quand j'étais plus petite, j'en mettais. Ouais, pareil. Mais... avec des bas de death. Ouais. Un t-shirt tectonique. Ah mon dieu. Les trucs à l'ancienne là, tu sais, les t-shirts Baby Milo, je sais pas quoi là, truc trop laid là, comme ça. Non, je peux pas. Ça, c'est vraiment, ça me. D'ailleurs. J'ai vu une petite hier avec ce genre de t-shirt là, je pense qu'elle avait dû l'acheter je ne sais où dans une friperie parce que ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Et c'est vraiment... Enfin, ça fait mal au cœur quoi. La pièce que je pourrais jamais porter... Il y a plein de trucs qui me vont pas moi. Genre parce que je suis grave carrée des épaules. Et du coup, les chemisiers qui ont des froufrous ici. C'est ma phobie, je déteste ça. Et il y a des filles, alors ça leur va très bien, mais moi, jamais pas. Une salopette, j'aime pas du tout. Je peux vous dire que je ne mettrai jamais une salopette, je pense. Je trouve ça trop moche. Ça, c'est comme les ballerines, je peux pas voir les salopettes. Voilà, c'est une pièce que je peux pas. Les pantalons, là, les Sherwell, là. Des trucs comme ça, là. On dirait qu'on s'y gâche dessus. Ça, c'est mort. Même si un mec il va me draguer avec ça là. Ça peut être le Cristiano Ronaldo, c'est. Non, trop moche. C'est trop moche. Ça serait la robe moulante. Je ne porte jamais de robe très près du corps, très moulante et très longue, un peu en tube, on appelle ça. Avec le corps que j'ai, je ressemblerais à un lampadaire, clairement. Donc pas du tout. Pour moi, que je déteste. Ce n'est pas seulement avec moi. Mon stylo. Avec tout le monde, c'est les compensés. Je reste comme ça. Non, pas sexy, pas sexy. Non, parce qu'en fait, si toi te regardes, okay, la robe, vas-y, les compensés, c'est comme c'est cheap, c'est très, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. Moi, je dirais peut-être les ballerines. Ouais, c'est les deux. Les ballerines, quand même, ça fait très pantoufle, très, c'est pas terrible. Moi, c'est la robe. Alors après, oui, c'est pareil. Les modes, ça change un peu, mais ouais. La petite robe bustier hyper moulante, comme ça là, et très courte, ça se passe. Ah ouais. Tout ce qui est moulant, bustier, très court, ça c'est. Ouais. C'est Moi, ouais, je suis d'accord. Pareil. J'ai l'impression d'être boudinée. Alors même en ayant perdu du poids, les robes comme ça, j'arrive pas. Bah, comme on en revient à dire, mais personne porte ça, mais les ballerines, les crocs, les ouais, superstars, quoi. Non, tu sais ce que c'est, moi, que je pourrais jamais porter, c'est des salopettes. Oh, mais oui. Des salopettes, c'est horrible. Un mec qui met ça, mais... Oh, ah, choquille, non, c'est horrible, ça, je supporte pas. Soit les salopettes pantalon, soit les jupes salopettes, avec le petit truc que t'accroches là. J'aime pas. Ah non, c'est horrible. Il y a ça, moi, et il y a un truc qui que sur moi, ça va pas, c'est les robes droites. Moi, je peux mettre soit les robes patineuses, soit moulantes, mais droites, ça me fait un corps de... Ça, droite, genre comme ça. Ouais, que c'est pas moulant, genre c'est tout droit en fait. Ouais. Tu vois ouais, ce que je veux dire ou pas? Ça fait un corps de mec. Sans toi, c'est grave quand je vois des robes serrées et que ça fait. Ouais, moulante. Ouais. Ah, ou alors. Non, t'en as une dorée comme ça. Patineuse. Ouais, voilà. C'est ça, patineuse. C'est pas grave, bien. Mais droite, c'est. Franchement, les filles, ça fait un corps de merde. Faut acheter soit moulant, soit patineuse, mais. Droite, c'est horrible. Hein. Ah ouais, ça t'écrase les hanches, tu comprends rien. Ça fait tout carré. C'est horrible. J'ai l'air d'un saucisson dans ça. En plus, ces gens comme moi qui n'ont pas de fesses, ça fait plancher passer. Ah non, mais c'est plus joli sur une fille mince qu'une fille comme moi. Hein. C'est éclaté sur moi. Mais là, ça fait une planche qui marche quoi. Ben, je sais pas. Je sais que les mannequins, c'est pas mal sur elle, mais moi, ben, la vie, elle peut se permettre de mettre des robes de robe, tu vois. Moi, non. Ouais. Moi, je peux pas me permettre. Non. Merci. La seule chose que je ne porterai pas, parce que pour moi, c'est niette, c'est les couleurs fluo. Je trouve ça horrible. Peu importe la pièce, tout ce qui est vert fluo, jaune fluo, rose fluo, mais vraiment fluo comme le Stabilo, je peux pas. Mais déjà, je trouve ça cheap en fait. On dirait que tu t'es habillé, t'es pas cher. Genre vraiment, ça fait trop cheap en fait. Vraiment, je supporte pas. Genre, je préfère des. Même une. Ah non, je sais pas, je peux pas. Ben, des jupes trop longues, parce que comme je suis petite, du coup, ça me tasse. Alors, moi, j'aime bien que ça m'arrive. Allez, mi-genou, maximum. Moi, tout ce qui est justement ballerine. Ouais, ballerine, ça je pense que je pourrais jamais. Quand j'étais plus petite, j'en mettais. Ouais, pareil. Mais... avec des bas de death. Ouais, je sais pas, à un moment j'avais une phase petite ballerine.
Maintenant, j'en porterai plus. Ouais, mais pareil. Je sais pas, un truc que je déteste. Toi, du coup, les imprimer? Ouais, bah voilà, imprimer, c'est bon. Et moi, je sais pas, il y a plein de trucs qui me vont pas. Ah, les jupes longues, par exemple. Quand c'est une jupe longue d'été, vraiment, vraiment plage, yes. Mais quand vous savez, les jupes longues, les meufs qui mettent des jupes longues avec des bottes, parfois, je trouve ça trop stylé. J'ai essayé 1000 fois de le faire et moi, ça passe pas. Ça ne va pas. Bah, franchement, je dirais la même chose. Déjà, je suis pas très grande, donc tout ce qui est long, ça me tasse. Ouais. Je suis 1m60, petite, petite, donc j'essaye d'éviter les trucs trop longs. Voilà. Voilà. Je pourrais jamais porter, genre. Après, c'est... est-ce que c'est une pièce, genre, qui c'est qui veut ça, quoi? Genre, un peu les robes. Tu sais, comme on dit, les robes très longues, mais qu'on dirait des chiffons, genre. Ça, je peux pas. Genre, un peu bohème et tout, mais genre, un peu baba, ça me dégoûte, je peux pas, ça me. C'est... Je sais pas, on a des, quand on a des jeunes gens, on les montre, quoi. Les robes longues, déjà, j'aime pas du tout. Alors, ces estras, qu'on dirait des rideaux de grand-mère, c'est affreux. Bah, les robes ultra serrées, un peu courtes, où ça fait un peu tout ressortir. C'est vrai que des fois, j'aimerais peut-être en porter, mais je n'ai pas du tout le corps pour. Moi, quand je le mets, on dirait une enveloppe. Bah, une enveloppe, quoi, c'est une meuf comme moi sans forme, quoi. Qui n'a pas de sein, qui n'a pas. Enfin, si, j'ai quand même la poitrine, j'ai un peu de fesses. Mais pour porter des fois des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut être un peu plus volumineuse. Et c'est vrai que moi, si je mets un truc comme ça, je parais un peu ridicule, quoi. Je sais pas, avant je mettais aucun jean, maintenant j'en mets plein. En fait ça change, c'est selon mes humeurs, selon la mode. Mais ce que je détestais aussi avant c'était les doudounes sans manches, alors qu'aujourd'hui ça revient à la mode. En fait j'ai l'impression que dans la vie il faut tout garder. Même des choses qui ne sont plus à la mode seront à la mode dans, je sais pas, dans 1-2 ans. Un truc que je ne pourrais plus porter, c'est, ah oui, bon j'en ai jamais porté parce que c'est trop moche, bon déjà les ballerines et les sandales, mais à petits talons. Je déteste, et soit tu mets des hauts talons, soit tu mets rien. La pièce que je pourrais jamais porter, que je déteste et qu'on... Franchement, demain on me dit je te donne 1 million d'euros pour que tu sortes dans la rue comme ça, je le ferais même pas je crois. C'est le sarouel. La phobie. Genre les grands pantalons larges comme ça et tout, non, qui descendent jusqu'ici là, non je peux pas, on dirait Tarzan, c'est pas possible. Je peux pas. Ce qui ne me va pas, c'est quand t'es fine, c'est les robes super amples. Bah du coup moi clairement ça fait super moche sur moi parce que je flotte dedans quoi. C'est horrible. Je peux pas mettre des. Faut que je mette soit des trucs qui moulent ou en short. Mais les robes trop amples, c'est horrible. Je sais pas, ça fait genre la robe, elle est super ample et moi je suis comme ça dedans. Genre, il y a un peu trop de vent à l'intérieur, c'est nul. Des écharpes. Ah, je sais pas pourquoi j'aime pas les écharpes. Ça me va pas. Je trouve que. Même des écharpes de marque, je trouve que ça me va pas, ça fait moche. Je mets pas d'écharpe, voilà. Je suis quelqu'un, il fait froid, c'est l'hiver, je monte ma doudoune, mais je mets pas d'écharpe. Non, moi j'avais vu récemment dans un défilé, j'ai vu deux trucs hyper glauques. J'ai vu Kendall Jenner qui sortait avec une espèce de grosse doudoune énorme rouge jusqu'au pied. Alors moi, ça, pour grossir, il n'y a pas pire. Non mais ça c'est qu'on est toutes petites, nous on met ça, on dirait des sumos. Voilà, déjà, en fait ça va faire balayer le sol. Et j'ai vu un autre truc quand même, faut le faire. Alors je pense que la meuf, elle ne voulait pas se lever de son lit. Elle se baladait avec un matelas et un oreiller. J'ai vu ça à un défilé de mode. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais jamais porter. Ça, c'est... Et puis même, je me rappelle, moi, d'une fois, Lady Gaga, elle était sortie avec des morceaux de viande sur... Ah oui, morceaux de viande, ça m'avait choqué. D'ailleurs, c'était fait attaquer, je crois. La pièce que je pourrais jamais porter, en dehors des ballerines, parce que pour moi, les ballerines, c'est déjà quelque chose. Claquettes, chaussettes, enfin, tout ce qui est... Non, c'est pas possible. Juste d'en parler, ça me donne une migraine, quoi. C'est une catastrophe. Ballerine, claquettes, chaussettes, non. Non, non. Après, je pense que toute pièce de mode peut se changer et être bien portée, sauf ces deux cas de figure-là. La pièce que je pourrais jamais porter, ben déjà, je suis pas fan de tout ce qui est imprimé. Donc, tout ce qui est zébré, tout ça, je trouve ça pas joli, en tout cas pour moi, sur moi. Et après, je suis pas trop fan de quoi. Je suis pas trop chapeau aussi. Les chapeaux, ça me va pas. Voilà, donc tout simplement. Un bob. Je pourrais jamais mettre un bob. Bonjour, ça va? Non. Les gens, ils vont regarder ton bob, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? En tout cas, qu'est-ce que je ne pourrais pas porter, mais surtout, qu'est-ce que je ne pourrais plus porter? Ce serait, voilà, des... une tenue en mode legging très moulant, avec décolleté, etc., tout ce qui s'ensuit, quoi. Je trouve ça beau sur certaines filles, mais je me sentirais pas à l'aise de le porter, en fait.
la pièce que je ne pourrais jamais porter. Alors franchement, c'est les bikinis là, qui remontent jusqu'à ici. Là, et en fait, où on voit toute la peau. Hein, donc je ne vois pas pourquoi on a créé ce truc. Hein. Faites-le supprimer de la surface, s'il vous plaît. Les jupes là, taille haute, on dirait des rideaux jusqu'en bas. Ça, je vous jure, j'ai essayé et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Tout ce qui est aussi le toutou là, de la danse classique, comme ça, ça ne va pas ces choses-là. Et je ne suis pas très fan. Un bob. Clairement, je trouve ça affreux. Donc. Moi, c'est clairement le béret. Je ne sais pas comment font les filles à porter le béret. Je me souviens, Chloé, ça lui va très très bien. Hein, chérie, ça te va bien. Mais moi, je ne pourrais pas porter le béret. Oh, je trouve ça... J'ai l'impression de ressembler à une boulangère dans le temps d'avant qui allait chercher sa baguette de pain comme ça à l'ancienne. Donc le béret, non, ça je peux pas. La veste à fourrure. Hein. Moi franchement, je préfère avec une veste à fourrure. Je peux pas. Non, moi je trouve que chaque truc, même si c'est moche, tu peux le mettre. Ouais, moi je pourrais, je voudrais pas. Je peux, mais je peux le pas. Moi non, j'ai pas de trucs. Ouais, ça en mode, non. Ah si, peut-être des chemises à carreaux. Ça peut faire un flou, hein. Non. Genre tu les mets comme ça et tout, celles que j'imagine dans ma tête, non, donc non. Ouais, les vestes fausses fourrures, genre, quand il y a eu cette mode-là, j'étais en mode, mais pourquoi, genre, sans manches, les trucs, non. Je sais pas, peut-être que j'ai vu trop de gens mal porter cette pièce, mais moi, je vous jure, je peux pas me regarde, quand j'ai mis la veste à fourrure avec mon sweat long et mes cuissards, ça faisait bien. J'aime pas. Honnêtement, tout ce qui est Gucci, Chanel et tout, tout ce que en général les influenceurs achètent et tout, enfin, j'aime pas du tout. Enfin, c'est juste en fait, ok, c'est cool d'avoir du Gucci, genre j'ai mis 700€ dans une paire, mais en fait, j'aime pas le design et ça manque cruellement d'originalité. Un chapeau énorme, tout le monde me regarderait dans la rue. Sachant que je l'assumerais pas. Bah, moi, du blanc. Du calme, chérie. Bah, et tes soirées du dimanche? Non, c'est latex. Il parle des pantalons en latex que j'adore mettre. Ouais. Ah bon? Vinyle. Bah, aujourd'hui, c'est devenu à la mode, hein, bah, bien sûr.